Ok, on va pouvoir attaquer le jeu. Salut Seiko, comment vas-tu de si bon matin? J'avais l'impression que j'allais être tout seul aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous faire voir ce matin, c'est une partie que j'ai déjà fait, hein, c'est toute l'intro. Hein, parce que là, comment vous dire que j'avais envie de le faire, parce qu'en fait, en ce moment, je sais pas pour vous, mais je trouve que la presse française s'astique en fait joyeusement le manche sur ce jeu. Alors qu'au final, il mérite pas forcément. Voilà. Voilà donc pour mon avis sur le jeu. Mais vous allez voir que, enfin bon, on va étayer au fur et à mesure de cette nouvelle partie, parce que sinon je pense que ça va être plus compliqué à expliquer. Alors on va prendre quoi? Agent terroriste, ouais. Quel est le niveau normal? Quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez, cette première nuit où il m'a dit « partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Eh oui, pour c'est la une première pub. fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça me met Bah, presque je sais mal. pas si c'est de la PS2, Mister Ça va Seiko. faire 3 ans que nous vivons chaque Si jour, c'est pas plus le comme le design qui est un premier. petit peu, comment dire, soumis Il à nos fit tellement goûts. chaud ce jour-là. Je sais pas, moi Et j'ai il y trouvé que avait les cette odeur personnages tenace étaient de plastique vraiment, brûlé dans les rues. pas terriblement bien faits non plus, J'ai quoi. marché à travers la Il y a ville, les yeux vraiment profonds, jusqu'à ce qu'on arrive tous à un la gros sortie de la rue. problème entre un gros gap Personne n'a entre tiré. justement les personnages La guerre était terminée. et les décors, quoi. Les décors sont somptueux, Je mais sais alors les pas si j'aurai le personnages, courage mon d'offrir un Dieu. jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon Sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bons ou mauvais. Grâce à mon Sensen. Mon mari est encore bien vivant. Là. Bah oui, tu l'as dans la tête ton mari, tout va bien. Et vous allez voir que ça va se palucher sévère sur justement toute cette histoire de comment ça s'appelle, de retour dans le temps, de manipulation de souvenirs, etc., etc. Comme si on n'avait pas déjà vu ça 150 fois dans les films américains de science-fiction, parce que bon, c'est quand même un petit peu le truc, un des trucs les plus classiques. Et bonjour, héroïne générique numéro 56 000. Mémoire du sujet effacée. Sensen en attente de nouveaux contenus mémoriels. Bonjour, vous m'entendez? Mais oui, on t'entend. Oui. Et c'est le grand tutoriel. Quel est votre nom? Mylène. En quelle année? Répétez ça. Mylène. Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. Non. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Ouais, c'est vrai que la modélisation est pas terrible non plus, Seiko. J'approuve. Docteur Il n'y a Quaid? pas que le design au final. Oui. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution, puis envoyez-la moi. Je me Docteur chargerai de Quaid. ces dernières réticences. Ah. Ce n'était pas du tout dans Total Recall. Où le héros s'appelait Quaid d'ailleurs. Déjà dans Total Recall. Bref, ce n'est plus de l'inspiration à ce niveau-là. Ah.
Ouais, c'est ça. T'as du Minority Report, t'as aussi The Island dans le coup aussi là. Bon, évidemment, il n'y a pas le fameux concours de The Island pour arriver sur l'île. Mais le complexe m'a fait vachement penser à The Island. Ah oui, utilisez R pour regarder autour de vous. Ah, là, c'est fait. Maintenant, veuillez suivre la ligne orange jusqu'à votre prochaine arrêtation. Où suis-je? Bah pour le coup, c'est pas Capcom, ils ont donné leur chance à un studio français qui était plutôt prometteur. Avancez. Par contre, moi je reste très... trop dubitatif sur ce jeu, quoi. Je ne comprends pas qu'ils aient laissé autant de lacunes dans, dans l'histoire. Ils y ont mis des dizaines de millions et je crois que c'était 30 millions dans le dans la production et finalement moi j'ai pas l'impression d'être devant une production à 30 millions. Allons nous faire effacer les souvenirs. Allons-y joyeusement. Nilin. Tu m'entends? Oui. Il faut effacer la cervelle, Nilin. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous? Je suis la voix que tu dois... Tu préfères garder ton argent pour t'acheter Deathpool? Moi, pour le coup, ouais. Enfin, bref. De toute manière, juste après ça, je vais le désinstaller parce que j'ai vraiment pas envie d'aller jusqu'au bout. Parce que bon, j'ai bien envie de découvrir les décors qu'il y a dans ce jeu, parce que les décors sont somptueux, mais le reste... Le gameplay est poussif et chiant, enfin bon... Ça a attiré leur attention. Nilin, le grand... Et quand je parle du gameplay, c'est les scènes de baston, enfin vous allez voir ça tout à l'heure. Si tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur... C'est vraiment brouillon, quoi. Je le sentirai. La porte passe en dessous, maintenant. Allez, passe sous la porte. Un mecha. Ça va plaire à certaines personnes, ça. Mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Patient repéré en zone interdite. Déploiement de l'unité de coercition. L'unité de coercition. Prends-le. Relève-toi. Tu dois continuer. Ce robot à la Robocop. Bah, en même temps. Quand je vous avais dit que tout ce qui était caractère design et compagnie, c'était pas très inspiré. Ça se voit, quoi. D'ailleurs, elle ressemble à une héroïne d'un autre jeu vidéo d'Electronic Arts. Comment il s'appelle déjà ce jeu-là? Qui était à moitié en noir et blanc, enfin qui était même quasiment que en noir et blanc. Où suis-je? Genre jeu de plateforme en version FPS. Oh mince. Tu y es presque. Je me souviens plus. Dans un cercueil. Vite. Mais le pire vient après.
Voilà, Mirror Edge, merci Seiko. C'est vraiment un clone de l'héroïne de Mirror Edge, quoi, au niveau du design. On peut pas faire plus cloné que ça, quoi. Mais le pire vient juste après ça. Sur les personnages, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, c'est juste derrière. Parce que là, juste derrière, on passe carrément dans la repompe éhontée. Nilin, est-ce que ça va? Non, je veux sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, frangine. Je l'ai fait, frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. En même temps, pour faire du high-tech, Deus Ex n'a pas inventé l'eau chaude non plus. Hein. Une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Donc que ça se ressemble, je trouve que c'est à peu près normal, ça, pour l'instant. Oui. Par contre, le décor extérieur, vous allez voir que c'est juste... Les autres chasseurs génial, les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant! Les courants vont t'emporter jusqu'au SEM 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Ah là, les égouts de Paris. Enfin, les nouveaux égouts de Paris. Non mais c'est plutôt bien vu, je trouve, moi, les décors. Mais écoutez bien ce qui se passe ici. Restez attentifs. Et regardez bien le design des persos. Écoute, Johnny pleure. Alors, vous n'arrivez pas encore à deviner sur quoi ça a été pris, sur quoi ça a été pompé, ces personnages-là? Très honnêtement, moi déjà, à ce niveau-là, j'avais complètement deviné. Même pas deviné, c'était complètement vu, en fait. Voilà, c'est Seiko Gollum. Maintenant. La couleur est partagée maintenant. Et ils sont tous pareils. Franchement, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a fait peur. L'armée joie. Qu'est-ce que tu... Sœur, viande. Et pourquoi pas, ami? Je suis pas de la tribu. C'est ça? Mais non, t'es pas de la tribu. Oh, je ne peux pas me battre avec vous. Tu dois le faire, Nilin. Ces gars te tueront. Utilise tes pressènes. Ah, c'est là où on va s'amuser. Le Combo Lab. Moi-même, quand je l'ai essayé l'autre jour, je n'avais rien pigé. Donc, au fil de la... Et salut, Darklow. Oh, bah, écoute, ça va. Petit matin, petite forme, mais...
envie de faire ce stream. Au fil de votre progression, vous verrouillez des souvenirs de techniques de combat appelées pressènes. Vos combos à gauche peuvent être aussi personnalisés avec des pressènes déverrouillés à droite. Ok. Donc il suffit de ramener des trucs de droite vers la gauche. Et maintenant il suffit de spammer comme un bourrin. Alors, un dès que les coups effectués vous permet de garder un œil sur la progression de votre combo. Oui, sauf que là, on spamme le bouton X. Donc la progression du combo... Des êtres misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérables ? J'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. Salaud d'Ata qui nous fait grossir, tout ça parce que Seiko n'a pas fait son footing. Mais Seiko, tu es libre ! Du combat erroriste. Qui est là ? Voilà, il faut suivre Gollum, hein, parce que bon... Comment dire... Non, par contre, au niveau des décors, voyez-vous, moi, je trouve ça plutôt sympa, quoi. La guerre de nations qui se serait totalement effondrée sur elle-même, enfin bon, dans le futur, tout ça... Ah, quoi. C'est plutôt bien vu, et plutôt bien fait. Ah, les allergies... Les allergies nous tueront un jour. Ah oui, soignez-moi. Ok, tu dois sortir d'ici et retrouver Tommy la migraine. Je l'ai prévenu de ton retour. Qui ? Il tient un bar en haut du slum 404. Commence par grimper hors de cette décharge. D'autres instructions suivront. Et puis maintenant, nous avons un Uncharted. Parce que bon, c'est le game design qui marche en ce moment. Tant qu'à faire, autant le faire jusqu'au bout. Seul problème, c'est qu'on a non seulement les avantages d'Uncharted, à savoir que c'est plutôt bien fait, plutôt instinctif, etc. Mais en même temps, on a tous les défauts. À savoir de la ligne droite, et puis on finit par arriver dans une arène où tous les ennemis viennent vous baffer. C'est vraiment pas très inspiré, quoi. Et puis bon, histoire de te faire voir, il y a quand même les flèches partout, hein. On sait jamais, hein. Tu peux louper les rebords. Et salut ces filles. Edge, c'est qui ce Tommy? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs resté fidèle à notre cause. Son bar est une carcasse de cargo située au-dessus des écluses du slum 404. Perso, j'ai aucune allergie, mais j'adore quand il pleut, moi. Mais c'est une autre histoire. C'est juste parce que je suis un espèce de vieux con romantique. Ah, salut Jeannot. Ah, Gollum, reviens par là. Et voilà, et là on se retrouve face à un jeu qui est somptueux. Comment ne pas tomber amoureux de ce genre de décor, quoi. Là, c'est juste somptueux ce qu'ils ont fait. C'est vraiment dommage que le reste soit pas à la hauteur. Vraiment, quoi. Restauration en continu au Leaking Mile. Aujourd'hui, gâteau de crabe croustillant à la Tommy et crevettes de vase sauce slum. Moi, c'est à cause de ces images que j'avais, que je l'attendais à mort ce jeu, quoi.
Et dans le genre, c'est ils avaient pris un des meilleurs en plus, quoi. Alexis Briclo, enfin, les mecs, si vous connaissez pas, il est grand temps de connaître ce mec, quoi. Et le problème, c'est que le jeu reste moyen, quoi. Et même plus que moyen. Voire même médiocre à certains endroits. Il sort le 14 normalement, ces filles, le jeu. Mais je pense qu'on peut l'avoir légèrement en avance. Allez, monte. Bah, je pense que si t'y vas genre 2-3 jours avant, tu peux l'avoir. Ok, et là il va falloir mettre faire des combos qui te rajoutent de la vie. Comme si combattre te soignait, quoi. Enfin bref. Ouais, tu trouves l'animation poussive ? C'est vrai que l'animation est pas superbe, mais enfin bon. Il y a trop de pauses justement entre. Enfin, c'est trop décomposé, mais quand même ! Ça va, je trouve. Alors, ok, ça va être par là. C'est même plus décomposé, c'est haché. Et le pire, c'est qu'on est devant la version PC, messieurs. Si vous trouvez que la technique est poussive, imaginez sur console. Mais personnellement, je trouve que la technique, ça va, quoi. On a vu pire. Il l'avait dit. Ah voilà, il y a une borne pour se régénérer. Ah, t'as été plus loin, Darklo. Oh mais non, ma chérie, faut sauter. Salut Rikuto! Ah non, The Last of Us va être une exclusivité sur PlayStation 3. C'est Naughty Dog. Comment dire que Naughty Dog est appartient à moitié à Sony, quoi.
tous les médias français, en fait, Mr. Seiko. Parce que quand tu vas sur Metacritic, les médias américains sont beaucoup plus partagés, quoi. Énormément plus partagés. Si vous allez sur Gameblog, par exemple, là, il s'est pris un 4,5 sur 5. Ce qui est assez incompréhensible quand on voit la qualité du titre au final. Niling gagne des PMP durant les combats. Les points de maîtrise procédurale servent à déverrouiller des pré-scènes qu'elle a oubliées. Parce que oui, bon, évidemment, hein, on n'est pas dans l'archétype pour rien. On est aussi en face d'un personnage qui a perdu totalement la mémoire. La pauvre, elle est amnésique. Bon, ceci étant, ça a été mieux amené que dans pas mal d'autres titres. Vu que tout l'univers est basé sur la mémoire et on lui a piqué tous ses souvenirs. Bref, au moins là, de ce côté-là, pas trop mal fait. Mais bon, en général, moi quand je vois des amnésiques, je me dis... trop simple, les mecs. Ouais. Bon, on va le mettre à la place d'un autre. Ouais, on confirme. Bizarrement, un titre d'un drama vient en tête, Doritos Gate. c'est ce qu'ils se sont dit sur le forum d'ailleurs. Tra, Gollum! Tra, des dizaines de Gollum! Non mais graphiquement et esthétiquement il est bien fait quoi. Je suis Dénis-moi. Punir. Surveillance. Punir. Donne-moi ta face. Ta face. J'ai perdu la face. J'aime dans la boîte. Tu me mauvais enfant. J'ai menti. Alors tu lui mettrais combien toi en note? Tu me demanderais. Attendez. J'agrandis le chat parce que. Il y a des trucs que je rate un petit peu. Hop! Et pourquoi t'arrêtes pas de vibrer, toi? Excusez-moi d'avoir coupé en plein milieu. Et donc, qu'est-ce que je mettrais comme note, moi, celui-là? Bah, j'ai joué que assez peu, mais sur le peu que j'ai joué, je sais pas, je lui mettrais un 2, 2,5 sur 5, hein, pour rester sur le même ton que Gameblog. Mais oui, je sais ça qu'on peut esquiver. Je le fais tout le temps. Et là, il va falloir buter tous ceux qui sont autour, parce qu'ils lui donnent de la puissance. Bref. Salut. Stop it!
Voilà, on va pouvoir s'en débarrasser de manière tranquille. Bon, ça c'est fait. Alors les Leapers s'en prennent aux citoyens ? Les Leapers étaient des citoyens. C'est bon. Bah, c'est un peu le problème, hein. À partir du moment où tu peux y mettre absolument tout ce que tu veux en combo, c'est sûr que ce n'est plus très fluide en fait. Et ça c'est clair, je suis d'accord avec toi, Jeannot. Alors comment est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? Voilà, c'était là. Et on est complètement face à des mécaniques d'Uncharted, hein. Tout est scripté. Et on ne peut pas sortir de ces longs couloirs. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Combo à la Devil May Cry. Encore une super image de carte postale, quoi. Non, mais là, on peut pas dire que c'est moche, quoi. C'est magnifique. Traverse le marché flottant jusqu'à ce. Et salut à toi, Linkmaster. C'est un raccourci pour arriver au bar de Tommy. Bah là ici ça me pose pas mal de problèmes parce que tu les vois bien les scripts, hein. Comment dire que tu les vois même superbement bien les scripts. Il y a le Edge dans le jeu. C'est, je me suis dit la même chose moi la première fois. Mais ça s'écrit pas avec un H, non. Et salut Bulo. Alors, où est-ce que je peux récupérer de la life, moi ? Je suppose que la politesse ne fait plus recette. C'est joli, mais je suis occupé. Je ne suis pas intéressé. Va au tati. Si ça existe encore. Une autre fois, peut-être. Désolé, j'attends quelqu'un. Même pas Julien C qui suce Sony dans une ruelle, je suis outré. Oh merde, cette dissidence, Linkmaster. Ouais, un robot prostitute. Allez, ouvre-moi ça. Non, mais en fait, il y a aussi un gros problème sur la synchronisation labiale, Mr. Seiko. Il n'y a pas que le problème du phrasé. Le truc, c'est que ça a été fait pour les Américains. Et ça se voit. Je dois avoir ton journal. Est-ce que...
Celle avec les cheveux, c'est ça? C'est vrai que ça j'avais pas remarqué Darklo, mais au début il y a pas beaucoup d'étrangers, mais t'inquiète pas, un des personnages principaux est Black, donc les proportions doivent être gardées. C'était quoi cette chose? C'est bon signe ça, Frangine. Avec le temps, d'autres souvenirs te reviendront sûrement. Mais j'ai failli faire la blague, Linkmaster. Remember me, un jeu oublié. Tu y es presque. Suis les drones volants de Tommy. Mais bon, soyons honnêtes, il est pas si oublié que ça, quoi. Il est juste pas à la hauteur. Salut messieurs. Oh non, non, mais ça va. Ok, premier fail. Vous êtes bien sur un stream de Data Reaper. Alors que normalement, tout se fait tout seul. Super le raccourci, Edge. Voilà, ici, c'est une des premières difficultés. De là que l'Afrique est une minorité ethnique virtuelle. Oh lolo. Cette dissidence sur le chat. Non, pas bon timing. Mais de toute manière, on s'en fout. On a le respawn à l'infini. Donc, niveau difficulté non plus, ça se pose... Enfin, c'est pas... C'est pas le jeu le plus compliqué de l'univers. Salut les goudos. Ouais. Ok, s'ils veulent. Ah tiens, salut monsieur Pity. Bah finalement, il y a du monde le matin. Ok. Pas de retour possible. RB. Les énigmes qui posent sur leur Resident Evil. Bon, c'est vrai que les dernières Resident Evil, question énigme. Et donc, la Goudo, pour répondre à tes questions, je te dirais... non. On va être très franc, hein. Vraiment non. Je le trouve relativement médiocre, voire complètement médiocre. Donc au prix fort, il vaut vraiment pas le coup. Sauf pour ça. Oh putain, moi quand je vois ça, mais... Ça me fait baver, quoi. Ce genre de scène, des trucs grandioses, machin... Ça me fait vraiment baver, quoi. Et enfin, le Leaking Brain. Non mais regardez-moi ces décors, quoi. Mon dieu, j'adore. Mais le reste du jeu n'est vraiment pas inspiré, quoi. C'est ça qui est dommage. Bah, je sais pas, moi je dirais que c'est un jeu à acheter entre 20 et 30 euros, allez, pas plus, et encore. Hein. Et même les musiques sont bien. Ah, Mirror Edge, c'est pour l'héroïne, la Goudo. Ça, j'en suis certain, d'ailleurs. Ferme-la, Bob. Parce que l'héroïne, elle... ouais, comment dire qu'elle fait complètement Mirror Edge, quoi. Bob, ta gueule. T'es
toi ou c'est moi qui te bouffe le cœur, junkie mémoriel de merde. Johnny veut mon cœur pour Noël. Tu le sais, hein, toi, Tommy. T'es en sécurité ici, Bob. T'inquiète. Ça alors. Ah, ça c'est clair que ça déboîtait, Mirror Edge à l'époque. Nilin, ça fait un bail. Je suis désolée. Mais là, les personnages, je les trouve beaucoup trop génériques, quoi. Tu en mets vraiment plus ma gueule d'ange ? Désolée. Ouais. On a tous perdu des morceaux dans cette guerre. Mais t'es libre maintenant. C'est tout ce qui compte. Libre ? Non, perdu. Une chose à la fois, Frangine. Il est temps de soigner ton look. Ce gant là-bas, c'est le tien. Je l'ai récupéré dans ta planque. Ou un œuf au plat dans le cou. Non, apparemment, c'est une espèce d'implant. Et ce que l'on voit, c'est de la réalité augmentée. Genre les flèches, tout ça, machin. Ils ont encore justifié ça par de la, réalité augmentée, quoi. Voilà, c'est l'accès mémoire. Rien à voir avec celui que j'utilisais avant. Le top du top, Frangine. T'es la seule à le maîtriser. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Disons que, à la Bastille, contrairement à toi, j'ai pas réussi à écourter mon séjour. Bon, je laisse te changer. Ta tenue de combat est dans le casier. Eh ouais, vieux, plus d'alcool. C'est moche, la vie. Bob ! Va m'intérieur ! Ou j'appelle Johnny ! C'est leur mémoire de poisson rouge. Il n'y a aucun risque qu'ils te balancent à Olga Sedova. La chasseuse de primes, elle est dangereuse ? Implacable. C'est vrai que pour le coup, le blanc autour du jaune... Ça fait carrément jaune de frein. Un faux plat, quoi. Appelle. À peine dehors et déjà au turbin. Nélène ? C'est pour toi, David. Et là, on nous fait voir une autre face du gameplay, qui est le remix mémoriel. Ouf ! Excusez-moi, hein, je me rassois un peu. Donc une phase de jeu complètement scriptée, on va pouvoir normalement changer l'événement. Mais uniquement dans la tête de la personne. Que l'on soit clair, c'est un souvenir que l'on manipule. C'est pour toi, David. Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. Les réinjections de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est un cas classique. Excès de suppression mémorielle, dépendance aiguë aux souvenirs. Qui n'aurait pas peur de Johnny ? Risque aggravé de dérive identitaire. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité trop fragmentée. Voilà,
Ces endorphines vont faciliter le processus et favoriser sa réception. Hello Dolian, à votre transfusion. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Transfusion mémorielle. Le teint. Oh, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas entendu, celui-là, Rick Master. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir... En même temps, on s'y dirige, la Goudo, à ce que les robots nous remplacent un peu partout. Séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Docteur Quaid. Je sais pas si c'est désirable, mais en tout cas, on y va. Hein. On y court, même. Et encore heureux qu'il y ait un vrai chirurgien en face. Voilà, il faut rembobiner. Il faut tourner avec... Ah! Allez, tourne. Jusqu'à trouver le moment où il y a une espèce de faille. Bon, là, pour les soucis du tutoriel, hein, il te le donne. Attends, comment est-ce qu'on fait, là? C'est quoi le bouton qui m'indique? Oh merde, l'autre jour, je l'ai fait, il y avait... Ah non. Attends, c'était pas cliqué sur le champignon L. Ouais. Ok. Et voilà la faille. Ok, plus de lianes. Départ. Le nymphe. Et voilà comment lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Dommage mémoriel. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. C'est sûr qu'on a encore un petit peu de marge avant que les robots soient totalement autonomes. Mais est-ce qu'on a besoin qu'ils soient totalement autonomes avant de les utiliser? Et salut Panda du Japon! D'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Docteur Quaid. Je peux payer son traitement. Alors, trouvez maintenant la combinaison de failles mémorielles qui amènera le Dr Quaid à tuer David. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le... Ne vous inquiétez pas. Comment ça, altération annulée? Évitable effritement d'une personne. Machine qui fait ping. Personnalité trop fragmentée. Personnalité trop fragmentée. Voilà. Enfin, bon, passer le processus. Alors, comment bien ce jeu? Non, trop moyen, quoi. Mémoriel terminé.
Accroche-toi, David. Souviens-toi. Fusion mémorielle terminée. Attention, la machine qui fait ping. Tu es... Non, non, il est vraiment trop trop médiocre, en fait, Panda du Japon, David, il est... Tu vas aller mieux. Comment dire ? Olga, tellement vide, tellement... Ça manque d'inspiration sur certains points. Nous, et la maniabilité, enfin voilà quoi, ça manque d'ambition, beaucoup trop copié quoi. Tu dois revenir. Entre 20 et 30 euros, ouais, grand maximum. Pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement. Mais en ce moment, au prix fort. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Docteur Quaid. Je peux payer son traitement. Ah, t'es l'Auxilia, ouais. J'ai vu la bande-annonce, ouais, ce matin. Ça a l'air d'être pas mal. Alors, il me manquerait autre chose à modifier, là. Ouais, c'est ça. Souviens-toi de nous, David. Notre première fois. Tu vas revenir, David. Tu dois revenir. Ne vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages. Pour le traitement. Qu'est-ce qui me manque ? Tu dois revenir. Rentrez. Qu'est-ce qui manquerait là ? Je comprends pas. Muriel terminé. Grand bobine, ça va péter. Alors je suis sûr qu'il manque des trucs. C'est pour toi, David. Alors. Où sont les fameuses altérations qui sont pas du tout visibles ? Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. Les réinjections... Il y a un truc en haut à droite avec le robot avec la seringue. C'est pour toi, David. Ouais. Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. Sauf que là, j'ai pas l'impression qu'on peut modifier ça. Mari, Madame Sedova. Les réinjections de souvenirs. J'ai pas vu de. Justement le. Le truc qu'il faut modifier là. Cette transfusion mémorielle. Que normalement, ça apparaît en pixelisé quoi. Les réinjections. De souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est un cas classique. Excès de suppression. C'est tellement pas intuitif ce. Ah non, pas du tout. Dépendance aiguë aux souvenirs extérieurs. Risque aggravé de dérive identitaire. Bref. Ah! J'en ai vu un là. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité. Voilà le truc qui fait bip. Trop fragmenté. Voilà.
Ces endorphines vont faciliter le processus et favoriser sa réceptivité. Ah, il y en a un autre là. Inversion du flux mémoriel en cours. À votre transfusion. Ah oui, mais c'était... Ouais, ok. Docteur, il s'écoule en moi. Arrêtez-le. Madame Sedova. Non, là, y'a rien. Arrêtez-le. Madame Sedova. Effondrement identitaire du donneur imminent. Poussais-je de cris. Où est mon visage? C'est top. Non, y'a rien là. Souffre ma chair. Quarantaine. Quarantaine. Tellement vide. Tellement vrai. Elle gosse nos vapes. Ok, l'inversion de la transfusion a tué Olga. Puisqu'on ne peut pas se rappeler qu'on est mort, n'est-ce pas? Ok, s'ils veulent. Non mais attendez là. Ils veulent qu'on continue, c'est ça? Ouais. Tellement... Je sens tellement le rage quit sur cette scène. Du flux mémoriel en cours. Inversion. Ces endorphines vont faciliter le tellement ça pas intéressant en fait et favoriser sa réceptivité à votre transfusion. Tu crois que j'ai oublié un truc, monsieur Petit, tout au départ? Transfusion mémorielle terminée. Tu es... J'ai mal. David, tu vas aller mieux. Olga. C'est trop tôt pour une autopsie. Ouais. Souviens-toi de nous, David. Notre première fois. Tu vas revenir, David. Tu dois revenir. Ne vous inquiétez à pas. À voir, mais en tout cas... Le est le meilleur hôpital pour le traitement. À voir si j'ai oublié un truc avant, mais le truc, c'est que ça m'ennuie, cette scène. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Ouais, j'ai dû oublier un truc. Vous avez raison. Il faut encore rembobiner, quoi, et on doit se taper encore cette scène. Y'a pas moyen de les passer, genre... on n'a pas envie. Voilà, là on est tout au début. Qu'est-ce que j'aurais pu zapper là? C'est pour toi, David. Non. Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. Les réinjections de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est... Ah, mais je suis d'accord avec toi, Link Master, hein, c'est vraiment dur. Excès de suppression mémorielle. On s'ennuie. Dépendance aiguë aux souvenirs extérieurs. Ah oui, j'avais oublié ça.
risque aggravé de dérive identitaire. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité trop fragmentée. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus. J'ai re-zappé le chariot là. Risque aggravé de dérive identitaire. Si en plus le joueur s'y met à zapper les trucs. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité. Ah là, la machine à vibre. Trop fragmentée. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus. Et favoriser... Non, sauf qu'il faut pas l'inverser, parce que si on l'inverse... Sélectivité à votre tour. Il va crever, c'est pas le but. Il tachycarde, très inhabituel. Docteur, c'est pas normal. Son esprit surréagit, c'est tout. Rien de méchant. Tâchez de vous concentrer sur des souvenirs apaisants. Je suis d'accord, c'est chiant. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Enfant des nuées, pourquoi rampes-tu ? Quoi ? Les mouches me mangent, les manques me mouchent. Ça ne faut plus passer au rouge. Et voilà, ça se passe mal. Oh, mes yeux. Binary Domain incoming. Bon, moi, on va peut-être pouvoir revenir sur de l'action. Bah, Binary Domain, moi je l'ai, mais je l'ai toujours pas fait, Rikuto. Non. Je l'avais eu dans un bundle, dans le bundle Sega. Tu veux toujours brûler Memorize ? Oui. Alors nous avons un ennemi commun. Quel retournement. Enfin, je veux dire, quelle bonne surprise. Pour tous. Je suis sûre qu'Olga a ses raisons. Une seule raison suffit. La grande Olga Sedova rejoignant la révolution héroriste. C'est moi ou il y a de l'amour dans l'air? La dernière fois que je t'ai arrêté, t'étais plus jeune et plus résistant. En tout cas, ce Remember Me a en plus un problème de rythme. En plus du reste. Ok, Olga. On n'ira pas en vacances ensemble, ça me va. Mais Nilin est attendue dans les beaux quartiers. Et la route est surveillée. T'aurais pas une idée ? Ah, j'ai mieux que des idées. Et salut, mec du 06. Ça, c'est Manéline. Et ses tours de magie. Personne d'autre ne sait faire tourner les têtes comme toi. D'abord, tu me cognes. Après, tu ruines mon petit commerce. Ça commence à ressembler à de l'amour vache. Peu importe, on perd du temps. Oh bah écoute, ça va, moi, tranquille. Je vous fais une petite découverte de Remember Me, tranquillement, quoi. Merci, Tommy. De bon petit matin. Vraiment. Avant d'aller faire mes courses. Mais sachez que vous en avez rien à foutre que j'aille faire mes courses après. T'as pas perdu la main, ma belle. Et bon, en tout cas, c'est important pour moi que j'aille faire mes courses. J'ai raison de miser sur toi. Comme nous tous, d'ailleurs. Ah bah oui, des capotes, ouais. C'est le truc que j'utilise le plus souvent en ce moment, c'est fou. Et des raviolis.
Bon, en fait, Monsieur Petit, c'est un petit peu le but. Enfin, je suis vache en disant ça. C'est un petit peu le but. C'est quand même le but inavoué de ce stream, c'est de vous faire découvrir justement que Remember Me n'est pas du tout ce qu'ils en ont dit dans la presse, en fait. Amnésie. Les risques pris par Tommy et Edge pour me libérer m'ont bouleversé. Ils comptent sur moi pour punir les privilégiés de Neo Paris. Edge parle d'une opération clandestine amenée au cœur de la conforteresse Saint-Michel. D'un réveil brutal de ce quartier hautement sécurisé. Pour en faire le terrain propice à une révolution. Non mais en fait, c'est écho sur Del Compère, ça va hein, le jeu. Hein. Plus qu'à la justesse de son combat, c'est à son amitié que se raccrochent mes pensées à la dérive. Pourquoi oh mais c'est Deus Ex The Fall, Dolian. Oh ce taunt gratuit. Dans ma poitrine, dans ma gorge, jusqu'au bout de mes doigts, je sens palpiter ce pouvoir unique qui les effraie. Qui m'effraie aussi. Avoir le pouvoir de pénétrer les souvenirs d'autrui, pour les modeler à ma guise. À ma guise. C'est pas une pub, ça. C'est comme être Dieu. Oh merde. Vertige. De cette révélation, je n'ai qu'une certitude. Saisi par le vertige de cette révélation. Je dois retrouver ce qui m'a été arraché. Oh, ce paluchage rien que dans les dialogues. Oh merde. Et macro-ondes. Mmh. Bienvenue dans le quartier Saint-Michel. Mais The Fall, sur smartphone, Deus Ex. Bonne chasse. Ça m'a vraiment dégoûté en fait. Désolé, j'ai des affaires familiales à régler de mon côté. Ta première cible s'appelle Kaori Sheridan. J'ai besoin de codes confidentiels cachés dans sa mémoire. Qui est-ce ? La plus célèbre architecte de Neo Paris. Elle en tête tous les moindres détails de chaque bâtiment qu'elle a conçu. Je la trouve comment ? Ton contact s'appelle Bad Request. Bah oui, c'est vraiment dommage qu'ils en aient fait un jeu iOS, quoi. Alors quand vous voyez les trailers, on a vraiment l'impression qu'ils voulaient en faire une... Oh putain, mais c'est beau, quoi. Je trouve ça vraiment sympa ce qu'ils en ont fait, merde. Bon, c'est dommage que c'est des couloirs et qu'on t'indique bien que... C'est pas par là qu'il faut que t'ailles. Ce n'est pas par là. Faites pas attention à moi. Reste calme, Néline. Reste calme. Désolé. Stoppez tout des Ex The Fall puis dans game. Non mais ils auraient pu en faire directement un add-on quoi. Le problème, c'est qu'ils l'ont mis sur iOS, quoi. C'est vraiment dommage. Confort, quand d'autres manquent de tout, à quelques mètres d'eux. Tout le monde ne peut pas naître du bon. C'est quoi qui coûte 5 euros dans la boulangerie ? C'est leur égoïsme que je condamne, Frangine. C'est leur acharnement à oublier tout ce qui les dérange. Hmm. En même temps, je suis même pas sûr que c'est en euros dans le futur, dans leur futur là. C'est dommage que tout sonne faux, tout est faux. C'est que des décors. On ne peut pas se promener réellement, on peut pas rentrer dedans. Citoyens, en vertu de la charte sanitaire de Néo Paris, l'accès aux relégués vous est interdit. Je rends juste visite à ma mère. Cette tenue est tellement. Des quoi déjà? Elle révèle le Seigneur et sa parole. Et le Seigneur réarticule, rappeler, souvenir après souvenir, à travers la noix commune de sa parole. Ok, c'est où qu'il faut qu'on aille. Que c'est pas le tout, hein, mais on doit faire le jeu. Hein. C'est bien de s'émerveiller devant des décors sympas, mais ça reste que des décors. Parle! Petite machine! Je suis en retard.
Dieu, je suis vraiment désolée, hey. Madame. Vous allez bien? Est-ce que je dois appeler le secours? Non, non, je vais bien, je vais bien. Si vous souhaitez porter plainte, mon identification a été fournie à votre terminal Sensen. Bonne journée. Oh merde, Ligmaster. Oh, enfin! Ça fait 20 minutes que j'attends! Avec moi, c'est Noël tous les jours. Tu merdes? Est-ce bien votre adresse, madame? Oui. Oui, je crois. Merci. À votre service. Si vous êtes sujet aux pertes mémorielles, ne sortez plus sans activer votre aug-balise. Attends, on dirait qu'on en a une autre, là. Mademoiselle, tout va bien? Vous avez l'air perdue. C'est elle, la chasseuse de souvenirs en fuite. Ouah, de l'action. Suspect en fuite repéré. Intervention en cours. Alors, vous voyez un signal d'attaque, appuyez sur A pour sauter par-dessus l'ennemi que vous êtes en train de frapper. Mais oui, ça je le fais depuis tout à l'heure. C'est quoi ça? Je fais un coup sur chacun des mecs, c'est ça? Oh merde. Ah non, mais la synchro labiale a été faite pour les Américains en fait, Dolian. Hein. Alors, vous exécutez suffisamment de pression puissance pour... C'est vrai qu'au niveau du prix, Arkham City à côté est donné. Voilà ce que je cherchais. Une flèche pour me dire où aller. Passer par les toits. Excellent. Tu retrouves tes ratnets. C'était qui? Les uniformes. La Force Sabre. Police privée financée par Memorize. Le bras de la loi avec le sourire. Seiko. En même temps, il te montre un archétype de Paris. Hein. C'est pas le vrai. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Ah oui, non, je m'en fous de ça. Elle ne peut pas être loin. Bah non, elle ne peut pas être loin. C'est une trop. Alors on reste sur le coup. Vu par Marine? Non, je suis pas sûr. Je crois plutôt que c'est vu par des étrangers. Genre vu par des Américains, par les touristes, quoi. Alors, les souvenirs de pré-scène spéciale. Ça. Ok. Alors, le temps de recharge, ok. Ouf, c'est rapide en plus pour faire les furies. Oh merde. Ok, bah bonne journée à toi, Dolian, et bon courage.
Oh merde. Oh, ce tutoriel, quoi. Ça fait près d'une heure et demie qu'on est là-dessus et il y a encore du tutoriel. Alors, une nouvelle classe de pressen. Permet de réduire les temps de recharge active sous. Ouais, s'ils veulent. Genre ils se battent avec les poings. Bah en même temps de ce côté là je sais pas pour vous mais je trouve que ça reste normal. Pourquoi est-ce qu'ils se battraient avec des armes vu que on est dans un pays civilisé où c'est interdit? Par contre les flics qui n'en portent pas, ça c'est autre chose. Genre ils sont juste au tonfa, ils se font maîtriser et les mecs ils ne sortent jamais leur arme de service quoi. Je suis mort. Et salut Pollux à mort. Il a de vraies qualités ce jeu. Mis à part les qualités artistiques que j'ai énoncées tout à l'heure, je suis pas saucé, loin s'en faut. Mais ça va les gars. J'aimerais bien voir Cortex en caméo dans ce jeu, mais pourquoi? Et ben voilà, on est mort encore une fois. Et l'histoire aussi est trop light pour lui que sa mort. On est d'accord. Et le scène de baston, je suis en train de me faire enchaîner comme c'est pas permis. Oh merde. Ouais ouais mais je me fais avoir comme un bleu puis ce matin c'est pas seulement les grandes fermes non plus. Par derrière.
la nuit. Tram, mais le problème c'est qu'il me laisse pas finir les combos quoi. Et oui, la caméra, mais de toute manière, la caméra on s'en fout vu que le lockage est automatique. Il suffit de spammer le bouton. Alors, la Gudo égale c'était censé être la caméra HD, censé. Il n'y a pas une touche pour esquiver quand il y a un point d'exclamation. Si, si, c'est le bouton A en fait. Ça se fait très rapidement. Mais le problème, c'est que ça casse tes combos. Et si tu casses tes combos, tu peux pas régénérer. Enfin bref. Et salut les docs! Oui, oui, c'est que le début du jeu! Alors, perso les flics qui parlent. Ah, c'est vrai que la conversation est... Et pourquoi j'arrive pas à les buter, quoi? Il leur manque quoi, là? Voilà, c'est bon, on s'en est débarrassé. Je commence à trouver ça un chouïa long là. Data, tu aurais pas fait un combo sans trop regen, sans dégâts? Bah peut-être, ouais. Quoi? Retourne de l'autre côté. 17. Répondez bon sang. Allez les gars, où êtes-vous? Encore un truc à timing. Petit moment de synchro pour passer. Ouais, ça ressemble à ça. Et quelque chose me dit que j'y étais trop tard.
Ouais. Non, en fait, j'ai juste l'impression que je le fais exprès là. Il ressemble à quoi ce Bad Request? Ok, merci Pollux, ça marche, j'ai totalement zappé ce truc là. Mal coiffé. Le RB. Débutant et fidèle à la cause. Oh, et il est ton plus grand fan. C'est ça, rends-moi de la vie. Ah non, là la caméra devient folle. T'as peur pour le remake de Flashback? C'est vrai qu'ils vont le faire en 3D, mais c'est pas le même studio de toute façon. Alors, où est-ce qu'il faut aller là? Tu es presque arrivé à la rotonde, et la force sabre a perdu ta trace. Bien joué. Ah non, mais du point de vue direction artistique, il est magnifique. Il y a juste les personnages que je trouve qui s'intègrent assez mal en fait dans, dans toute cette direction artistique. Bon, c'est beau quoi tout ça quoi. Papa Charlie et ses grands projets. Sa promesse d'utopie a surtout causé des drames à répétition. Cette saloperie de réseau Sensen était sa grande œuvre. Et regarde le résultat moisi. C'est lui le patron de Memorize? Non, lui c'est le génie créateur, la star capricieuse qui fait mumuse dans sa tour d'ivoire. Memorize est dirigé par sa femme, Cilla Cartier-Wells. Un nom. Ah ouais, non, mais les Memory Remix, tout à l'heure, je trouvais ça. Je trouvais que ça cassait le rythme. Hein. Un futur radio imaginé pour tous par Charles Cartier-Wells. Souvenez-vous, vive la commune. Mnemopolis, libérez-vous de la peur. L'harmonie est à votre portée. Mnemopolis. La première commune mémorielle globale. Partagez en toute confiance votre mémoire avec vos voisins. Ouverture, confiance. Mnemopolis, un futur radio imaginé pour tous. Lilin, la chasseuse, je suis ton plus grand fan. Merci. J'ai déjà repéré le parcours. C'est pas la première fois que je vais faire mon marché chez les Richards. Je cherche le bureau de l'architecte. Ah, c'est sûr que ça change du marché je tape. Idéal pour éviter les drones de... Mais ça casse quand même pas mal le rythme, je trouve. Suffit de me le prendre. C'est un grand honneur de me faire ouvrir par la meilleure. Ce sera une sorte de dédicace. C'est bon? Est-ce que t'as tout pris? Oui. Marche dans mon passé. Une piste des rémanescences pour te faufiler à ton tour entre les drones qui protègent la conforteresse jusqu'à Kaori Sheridan. Écoute,
J'ai parsemé le trajet de balises mémolocalisées. Elles t'indiqueront quand activer mes rémanescences. Et merci de pas m'avoir... Bah, j'espère aussi, parce que bon, l'histoire du studio, oui, ils sont passés par beaucoup d'épreuves. En plus, j'avais interviewé Alexis Briclot à l'époque pour justement discuter de son jeu. Et je sais que c'est ça a été compliqué pour eux. Mais le résultat... Salut, Nili. Désolé, quoi. Si tout s'est bien passé, on s'est parlé il y a quelques... Je trouve que c'est pas à la hauteur de toutes les promesses et de toutes les espérances qu'il y avait derrière. En répétant ce que j'ai fait, tu pourras te frayer un chemin jusqu'à ta cible. T'es prête ? Allez, je commence. En fait, un 2, je sais pas si ça arrangerait le truc, mais en tout cas... Qu'ils aient la chance de faire un deuxième jeu, ça serait pas mal. Va projeter mes souvenirs dans... Mais très honnêtement, j'ai des doutes. En te servant de ton gant, tu pourras synchroniser leur affichage pour révéler des détails cachés. Voilà, je te laisse synchroniser. On se retrouve de l'autre côté. Trop ambitieux, je sais pas, parce que vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez, mais les certains aspects qu'il y a dans ce titre, genre l'aspect baston, la refonte des personnages, je sais pas, c'est à quel point Capcom qui a fait son travail de commande, quoi. Genre ouais, non, mais si vous refaisiez l'héroïne, genre rajoutez-lui des fessiers, tout ça, machin, faites-la plus sexy, ou alors non, mais pour le système de combat, il faut quelque chose de... Faut quelque chose qui se rapproche d'un jeu de combat, sinon on prend pas. Et puis pour le scénario, pareil, on sait jamais à quel... Moi je sais pas à quel point ils ont... Ils sont rentrés dedans, quoi. Et salut Vice! Non, le travail sur un jeu vidéo, je pense que, surtout vu comment ils l'ont fait... C'est un travail à deux, quoi. Mais bon, c'est le discours officiel, ouais, non, mais oui. Entre le discours officiel et la réalité, il y a toujours un gouffre. Et de toute manière, on ne connaît que trop l'influence des producteurs. Hein, dans les films, les producteurs, c'est même eux qui ont le dernier mot sur à peu près tout. Ah, il y a un combat qui était engagé, ok. Salut Awax! Ah, oh, il me dit même pas bonjour Awax. Sniff. Ou alors j'avais pas vu que t'étais là en fait. C'est peut-être ça aussi. Désolé Awax. Non, là c'est la première fois que je te vois popper. Que ça vous ambiance quand je parle le langage de la Tessie? Bah oui, que tu nous ambiances. La jauge bleue est une jauge de focus, ok. Vous gagnez du focus à chaque coup donné et à chaque coup reçu, ouais. Et l'overload d'ennemi vous donne un bonus de focus. Et ben voilà, on s'est débarrassé d'eux. Mais moi aussi j'habite dans une Tessie, Seiko. Hey, je suis de retour. Prêt pour ce petit jeu de piste ?
là j'avoue que j'ai pas tout... D'accord, ok. Je disais que j'allais pas tout piger. Mais ok. Ah ça, moi j'aimerais bien y vivre moi à la campagne. Ça me changerait d'air, tiens. Super. Quand tu croiseras des drones, fais bien gaffe. Ils tirent sans poser de questions. Tu vois le genre ? Ah bah enfin ils ont des armes. Tant que tu n'entres pas dans leur cône de détection, tu n'as rien à craindre. La difficulté, c'est de... Est-ce que je t'ai demandé de te casser la gueule ? Je me suis bricolé un scanner pour les matérialiser sur mon Sensen. Donc à chaque fois que tu activeras mes rémanescences, tu pourras les visualiser à ton tour via mes souvenirs. Ouais, c'est pas ce que je me disais aussi. Bah, en même temps, en ville, hein, j'ai pas une grosse connexion non plus, hein. Quand tu croiseras des drones, fais bien gaffe. Ils tirent sans poser de questions. Tu vois le genre ? Tant que tu n'as pas de fibre optique, tu n'as rien à craindre. La difficulté, c'est de les repérer. Je me suis bricolé un scanner pour les matérialiser sur mon Sensen. Donc, à chaque fois que tu activeras mes rémanescences, tu pourras les visualiser à ton tour via mes souvenirs. Et il est en train de dire que les drones sont complètement... Ok. Complètement statiques. Et un petit saut pour finir. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Bah ouais, c'est pas parce que t'habites à côté de Paris ou dans Paris que t'as une bonne connexion. Hein. Ce Kid Christmas, je le connaissais. C'est un chasseur de souvenirs comme moi. C'était. C'est la honte de ta profession. Il avait de l'avenir, mais il a préféré vendre son âme pour du fric. Comment ça, j'aurais une meilleure connexion que la tienne ? Ouais, c'est pas dit. Oh merde, Link Master Benzaï quoi. C'est vrai que c'est la dernière vidéo sur Benzaï Live. Comment dire ? Ça ne laissait aucune supposition. Y'a quoi à faire là ? Ok. Ok, non. Ah, c'est vrai que... Non, mais ces vidéos, elles sont bonnes en général. Non, c'est juste que sa dernière vidéo était... Le truc où je fais la pub pour Makinima... Ouais... Bref, je cautionne pas.
Où est-ce qu'il faut que j'aille là? Je suis en train de me perdre tout doucement ou quoi? Tu crois pas l'avoir vu, Monsieur Petit? Bon, en fait, c'est sur sa chaîne secondaire, Benzaï Live. Ah bah quand même! Tout à l'heure j'avais appuyé, ça s'était pas fait quoi. Si si, il travaille pour Makinima, il fait même le recrutement. Mais le truc c'est que ça sentait tellement le Doritos sa vidéo que... Et puis bon, Makinima, il faut juste pas oublier un truc hein. Quand je dis qu'il travaille pour Makinima, je suis pas sûr qu'il reçoive un vrai salaire pour Makinima. Vu que Makinima c'est une régie publicitaire américaine. Bref, de toute manière on n'est pas là pour débattre de ça. Il y aura des endroits et des heures. Monsieur Petit, ça c'est un truc qui est faux en fait. Pour une raison simple, il ne gère pas les droits d'auteur, les régies publicitaires. Parce que le truc c'est que je suis aussi affilié, parce que je pensais la même chose en fait, exactement la même chose que toi Monsieur Petit. Et ça ne m'a pas empêché de me faire retirer une vidéo. Ah, bien sûr qu'elle a pas mal, c'est l'héroïne, attends. Non, cette semaine j'ai encore eu des problèmes avec YouTube, et c'est pas parce que je suis affilié que ça changeait quoi que ce soit. Non, en fait l'affiliation te permet juste au final de récolter du pognon. Et comme le pognon je m'en fous. Tu as faim ? C'est bien spécifié dans son contrat. Bon, en tout cas, là où je suis, c'était pas spécifié du tout. Hein. Bah, je m'en suis rendu compte après, en fait. Je dois vraiment encore grimper longtemps ? Kaori Sheridan adore contempler ses créations depuis son balcon. Continue de suivre les rémanescences de Bad Request. Ouais, on s'est cassé la gueule. Je vais tellement l'attacher à mon lit et en mode misery. J'y ai tellement pensé, Vice, que t'allais le faire, ça. Je dois vraiment encore grimper longtemps? Genre lui casser les pieds pour pas qu'il... pour pas qu'il se barre et tout. Continue de suivre les rémanescences de Bad Request. Ouais, mais j'ai des ralentissements. L'interdiction légale des drones de scanner à travers une cloison.
Essaie de garder le rythme. Parfait. Maintenant, on utilise la cloison comme couverture. Passe derrière et reste discrète. On n'y est pas. Si ? Ah non, on n'y était pas, hein. Bien ce que je me disais. Essaie de garder le rythme. Oui, j'avais pas fait gaffe. Effectivement, pendant du Japon, maintenant, j'avais pas fait gaffe au message. Comme couverture. Passe derrière et reste discrète. Et voilà. J'espère que tout s'est bien passé. Là, j'avoue que je comprends pas. Enfin bref, moi de toute manière, faut que j'aille faire mes courses. Moi, il est presque 10h. Wow. Oh, j'ai vraiment envie d'y aller ce matin, pas cet après-midi, parce que sinon ça va être la mort en poule. Surveiller à 5h du matin, c'est moche. Bref, en tout cas, moi je vous remercie bien d'avoir suivi ce stream. J'espère que vous avez maintenant un avis un peu plus éclairé sur le jeu, hein, puisque bon, c'était un petit peu le but de la manœuvre. Alors, voilà, comme ça je vais en sortir. Et donc voilà, moi je vais vous retrouver d'ailleurs, hein, ce soir on va complètement streamer sur la Live Play Prime avec Messire Aeltan, on va faire du putt, on va faire du Mineno Golf, on va faire du Everybody's Golf ce soir, vers c'est 21h, entre 21h et minuit, et donc il n'est pas exclu qu'il y ait du Mammouth dans le coin ou du Mr. MV qui viennent s'incruster, hein. Et là, bah moi de toute manière, là je vais arrêter le stream et juste après moi vers 10h, si vous allez sur la MTV3, hein, si jamais vous avez envie d'aller sur la MTV3, il y a Aeltan qui va streamer du Mass Effect. Donc n'hésitez pas à aller le voir, hein, ça lui fera plaisir et tout. Enfin bon, ça va être fandard, je pense. Ça va être fun. Enfin bref, donc je vous dis à tout à l'heure et puis merci d'avoir suivi le stream et puis des bisous. Et tchuss.